Everybody uses a laptop and or a smartphone. Is there room for a third category of device in the middle, something that's between a laptop and a smartphone? In order to really create a new category of devices, those devices are going to have to be far better at doing some key tasks. It's going to have to be better at these kinds of tasks than a laptop or a smartphone. Otherwise, it has no reason for being. But we think we've got something that is. And we call it the iPad. Si cette présentation du 27 janvier 2010 a si bien vieilli, ce n'est pas tant pour l'élocution de Steve Jobs surpassant toutes les autres ou pour le diaporama qui rappelle des souvenirs de vacances. Elle a bien vieilli car son propos, lui, n'a pas pris une ride. Y a-t-il une place pour une tablette lorsque tout le monde possède un ordinateur et un smartphone? Malgré le succès de l'iPad, on parle de 15 millions de ventes la première année, Jobs n'a pas réussi à convaincre de l'intérêt de ce dernier, le grand public comme la presse tech le voyant comme un grand iPhone. Ce qui est amusant quand on sait que l'iPhone n'est que le résultat du projet Purple destiné à faire naître l'iPad qui aurait dû sortir avant. 10 ans après, l'iPad souffre toujours de ce problème de personnalité. Mais il a changé de camp. Lorsque l'on parle de lui, la question qui revient à tous les coups étant, est-ce que ça remplace un ordinateur? Peut-on dire qu'un produit a sa place entre deux autres quand ces derniers passent leur temps à se faire des passes? Si le grand public ne sait pas définir clairement ce qu'est un produit, ça ne peut pas être de sa faute. C'est soit la marque qui est en cause, ne parvenant pas à le communiquer, soit le produit en lui-même qui a trop peu de sens pour être expliqué. Apple s'est pourtant longtemps accroché, faisant tout pour que subsiste une limite claire entre le Mac et l'iPad afin que la vision de Jobs, celle d'un appareil rendant l'expérience plus simple par le naturel du tactile, soit intacte. Bien qu'incomprise, cette vision l'est restée. Jusqu'à aujourd'hui. Avec iPadOS, Apple a fait un changement impensable il y a quelques années en ajoutant un curseur de navigation sur l'iPad. Ce qui n'est pas anodin pour un appareil dont l'expérience repose sur l'interface tactile, c'est un point de non-retour. Le produit tel qu'il a été présenté il y a 10 ans vient de passer dans une autre catégorie, laissant derrière lui celle dont il était précurseur. Pour autant, il en garde un héritage visible en adoptant l'empreinte de votre doigt. Ce n'est pas tant la forme que la manière de l'intégrer qui est importante, ça aurait pu être une souris telle qu'on la connaît, mais cette ombre porte le message que le tactile est toujours dans l'ADN de l'iPad. Au-delà de la forme, intégrer une souris classique aurait nécessité de modifier radicalement la manière dont fonctionne iPadOS par design, avec des bords supérieurs aux fenêtres, des boutons d'agrandissement et de fermeture, quelque chose qui ressemble à macOS. Alors qu'en simulant un doigt, nul besoin de modifier l'interface. C'est votre doigt, qui vient épouser certains éléments de manière élégante, se différenciant de la précision absolue demandée par une souris. En gardant à l'esprit que le design ce n'est pas à quoi ça ressemble mais comment ça fonctionne, celui-ci envoie le message que rien n'a changé. A l'inverse de Microsoft, qui a fait le choix de séparer le tactile et la souris au sein d'un même produit en réalisant deux OS différents, Apple a fait le choix d'en faire un tout en simulant l'ombre de votre doigt, ce qui est très ingénieux. Mais pour que l'expérience soit complète, il leur fallait proposer le produit qui va avec, le Magic Keyboard. Si votre vœu était d'utiliser l'iPad comme un ordinateur, il a été exaucé. Le Magic Keyboard apporte à la machine un clavier rétroéclairable, un trackpad, un support, une coque de protection et un second port USB-C réservé à la charge, qui libère celui de la machine pour un support de stockage, un micro, etc. Il a de magique la manière de le faire tenir, l'écran flotte au-dessus de son clavier. Ce qui paraît simple en design ne l'est jamais en substance, c'est une complexité d'ingénierie qui fait tenir l'iPad de cette manière, avec des aimants. Il est extrêmement risqué de faire ce pari, il faut trouver le juste milieu dans la puissance des aimants pour que l'iPad ne tombe pas, tout en pouvant le retirer aisément de son socle. Mais il faut également trouver la bonne inclinaison pour qu'il ne puisse pas basculer en arrière, il ne faut pas qu'il tremble, qu'il s'affaisse. Au-delà du design et du tour de magie, mêlé à une robustesse étonnante, faire flotter l'iPad de quelques centimètres permet de pouvoir l'incliner très précisément entre 80 et 130 degrés. Ce qui n'est pas suffisant pour l'utiliser correctement sur les genoux, mais qui décuple les possibilités d'inclinaison par rapport à son prédécesseur, le Smart Keyboard Folio que vous détestiez lorsque ces deux seules positions possibles ne tombaient pas en face des yeux. La promesse du produit est tenue, le Magic Keyboard porte très bien son nom. Mais cette touche de magie n'est pas exempte de défauts. Le produit en lui-même est lourd et vient doubler le poids de l'ensemble. Ce n'est pas insurmontable, mais pour ce genre de produit, ça compte. Ce poids est une composante essentielle de sa magie, c'est cette robustesse qui la rend possible. Le problème, c'est qu'à l'inverse d'un ordinateur portable, le plus lourd se situe dans la partie supérieure, ce qui rend la manœuvre d'ouverture peu naturelle. S'ajoute à ça le haut du clavier obstrué par l'iPad lorsqu'il est à 130 degrés, et cette ouverture déjà grande, mais qui aurait mérité de l'être un peu plus pour répondre à toutes les situations. Ces quelques défauts n'enlèvent rien au produit, l'utiliser au quotidien est un réel bonheur. Même s'il est petit, le trackpad fonctionne à merveille, l'intégration du curseur est parfaite, vous avez un vrai clavier, le tout sur un produit élégant. Mais vient la question du prix. Je sais pertinemment qu'on m'attend sur ce point, mais vous l'aurez peut-être remarqué, je parle rarement de prix. Je n'en parle pas car c'est selon moi une donnée trop subjective pour être un sujet de débat intéressant. Selon vos moyens, vos besoins, vos envies, votre usage, l'information est soumise à trop de facteurs qui ne dépendent pas du constructeur pour que je la considère. Proposé entre 339 et 399 euros selon la taille, le cas du Magic Keyboard s'avère encore plus complexe. Certains n'y verront qu'un accessoire, quand d'autres y verront tout ce qui leur manquait sur une machine qu'ils utilisent au quotidien en un seul produit. À savoir une protection, un support, un clavier, un trackpad et un second port USB-C. C'est quand même la bonne partie d'un ordinateur.
ordinateur. Tous ces éléments en un seul produit, fonctionnant de pair avec son OS, en plus de la magie de ce dernier, porté par des matériaux robustes, justifie, sinon explique son prix élevé. Mais une explication n'est pas une raison. Au-delà de le pouvoir, il faut vouloir mettre plus de 300€ dans ce qui est un accessoire, quand bien même ça change radicalement la façon dont vous utilisez le produit. Si je ne parle jamais de prix dans mes vidéos, c'est parce que c'est mon travail de voir défiler des objets dont le coût sera considéré comme démesuré par certains, car on a un regard, un usage et une expérience différente. Si je ne parle jamais de prix, c'est parce que vous êtes individuellement les seuls à pouvoir le juger. Mais à en croire son titre, la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo n'est pas tant le prix du Magic Keyboard que ce qu'il implique pour l'iPad. L'iPad est-il devenu un ordinateur ? Cette question est problématique pour deux raisons. Elle est problématique car il n'y a pas de réponse universelle. L'iPad est juste l'ordinateur de certains, dépendant des applications que vous avez l'habitude d'utiliser, de votre setup actuel et de vos habitudes. Si les applications qui vous sont nécessaires existent sur iPad, que vous ne faites pas trop de multitâches, alors l'iPad Pro, encore plus avec le Magic Keyboard, est parfait. Mais c'est la question en elle-même qui me pose problème. Le consommateur n'est pas le seul à se poser la question. Apple semble aussi se la poser, ou du moins mettre énormément de cœur à y répondre au regard du nombre de références qui y sont faites dans ses pubs. Mais en faisant abstraction de la communication, en se concentrant sur les faits, la réponse est de plus en plus claire. L'iPad dispose désormais d'un clavier, d'un curseur et d'un trackpad pour l'utiliser. Plus flagrant encore, avec son Magic Keyboard, il n'est pas question de l'utiliser autrement que comme un ordinateur. Le support étant bloqué à 130 degrés, il est impossible de replier la cover au dos de l'iPad. Ce qui veut dire que si vous voulez l'utiliser verticalement, donc en main avec le doigt, vous devez le démembrer. Si vous voulez utiliser l'iPad tel qu'il a été conçu pour être utilisé, vous devez le démembrer. Ce produit à lui seul répond à votre question. La pomme pivotée à 90 degrés, à la même position que sur un MacBook, ne manquant pas d'appuyer sa réponse. La simple sortie d'un clavier ne retire en aucun cas les avantages d'un iPad, au contraire. Mais elle lui enlève un peu de sa raison d'être en lui retirant ce qui faisait son unicité. Le simple fait de se demander constamment si l'iPad est un ordinateur insinue que le produit ne peut avoir du sens qu'en adoptant celui d'un autre. Mais si l'iPad devient un ordinateur et que l'on se fie au discours de son inventeur, alors l'iPad est un échec, et le Magic Keyboard en est l'aveu. Mais c'est paradoxalement ce qui peut le sauver. Merci à tous, c'était Léo Duff. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm off the exit, bro. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays, feel like no one understands.